Le journal filmé n'est qu'un éternel recommencement. Il n'est que le reflet de mon existence routinière. Éternelle répétition d'un jour sans fin. Le journal filmé est peut-être la forme idéale pour faire apparaître cette évidence. Alors que les films de cinéma cherchent à montrer l'exceptionnel, l'extraordinaire, l'aventure, la vie rêvée, le journal filmé vient creuser dans le commun, le semblable, le minuscule, pour tenter de faire surgir l'étrangeté du quotidien et du lent passage du temps. À côté du micro-ondes sont affichées les photos de classe des collègues du service, images d'un autre temps. Ça fait changer mon rapport au monde en fait, ça c'est...
davantage, je serais perdu sans l'écriture. D'ailleurs, quand j'écris pas parfois pendant 4-5 jours, je suis profondément déprimé. D'ailleurs, je me rends pas forcément toujours compte que c'est bien ça, mais donc je suis très très noir, très récent. Et puis je me dis, ben, c'est 3-4 jours que j'ai pas écrit, parce que j'ai pas eu le temps, etc. Enfin, il y a quand même un rapport très. Puis même, enfin, disons-le, hein, c'est quand même aussi lié à la question du temps qui passe et de la finitude de chacun. Vous êtes un peu jeune pour penser à ça, mais quand on grandit, on se pose aussi des questions existentielles. Quoi. Donc, et on a parfois besoin de transcender des choses qu'on ne comprend pas. On a besoin peut-être de mettre en art, hein, ou en essayer de faire quelque chose de plus grand que soi ou de plus beau, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas de transformer le réel en une chose pour que ce soit un peu plus supportable.